à avancer. Ouais, ouais, parce que c'est après, que... les lasers, c'est pas si mal, ça touche. Ouais, mais le truc, c'est que par rapport à d'autres persos, Saber, son air dash, il est tout droit. C'est vrai. C'est vrai. Donc que... c'est pas, y a pas de feinte où tu retombes. Ouais, tu retombes un peu de temps. Ouais, c'est vrai que ça. Bon, une fois qu'elle est partie au-dessus, normalement, en théorie, elle va au-dessus. Et puis, bon, en termes de boutons en l'air, normalement, Saber, c'est pas mal quand même maintenant. Et aussi, avec contre Dante, souvent, enfin, souvent, moi de mon expérience juste de Warc, parfois, si tu veux taper dans le laser, tu prends le laser. Ouais. Alors que je pense qu'avec Saber, tu fais JC, tu prends pas le laser. Non, je pense pas que tu prennes le laser. C'est tellement disjoint. C'est vrai qu'elle a des bons boutons disjoints et tout. Ça, donc, ah, ouais. Et après, il faut faire gaffe. La pression, Saber, on l'a pas vu trop la dernière fois. Après, Rouxin, il a un... Rouxin, il joue bien contre le zoning aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est très patient, il peut être très très bon contre le zoning. Donc là, bon... Ah, on a perdu le chat. Voilà, bon combo. Alors là, voilà, si tu fais un espèce de devant-derrière, c'est un combo, c'est fait que Kix aime bien. Bon shield pour sortir. Hop. Ok. C'est un truc, deuxième ouverture straight de chips. On va voir Loki. Oh, c'était derrière. Et la garde de Rouxin l'a fait alors qu'il a jamais vu ça, c'était impressionnant. En passant, on va voir si. Ah, peut-être que Chips il a pas trop habitué de Saber, je sais pas. Probablement pas parce qu'il y en a assez peu. C'est ça. Ok, JMC mais qui n'a pas au prix. Ah, deux ouvertures qui ne sont pas confirmées. Dive, on est plus fine. Une barre, on est gratuit, on est plus fort. Ah oui. Ah, il s'attendait à autre chose. Peut-être que Chips attendait une choc, je sais pas. Oh, il a tenté reset. Le tech avant Chips. Hein. Chips, ben Chips, je pense que c'est pas le gars que tu vas trop avoir à la connaissance. Surtout que Saber a pas tes knowledge tech si fort que ça. Ok. Plus frame encore. Ah, c'est quoi ces persos qui ont tous des plus frame? Ah, c'est honteux. Oh, le 2-1 en match qui était bien joué. 2-1 en match qui tue. Let's go. Salut SK. Salut SK, SK. Alors. Bon dash de 5A. Qui a essayé d'être un peu agressif en neutral. Stokis, shop, shop, pas shop. Il a rien voulu savoir. Ça, on aime bien. On a un dragon, on oh le profite, hein. Attends, il a tenté de hard hit de fou furieux là, il a fait un jump shop. Ah, il a fait. Bon, il prend quoi. Allez, on est reparti. Est-ce que cette fois-ci, dragon? Non, il shield. Alors, normalement, c'est pas censé être safe sur le BCE ça. Je crois que ça doit dépendre à quelle distance il le fait. Ok, ok. On va voir Loki. On va voir. Ok, il claque la hit. Il va faire attention à Shop. Oh, et là, c'est... Il a été plus rapide que moi. Et okay. Ah, c'est la Shop Space, ça fait toujours peur, de toute façon. Ouais, et surtout, c'est frame 0 après le flash. Vous savez, quand le flash est arrivé, il savait qu'il pouvait plus rien faire. Est-ce qu'il tue avec les 4 barres, ou 3 barres? Non, il va... Ah, il tue avec les 4 barres. Il tue avec les 4 barres. Il prend le trop, il prend le round. Il n'a pas tenté le une barre, il tout, j'essaye de réouvrir. Et peu de variation sur le shield. Donc ça, il a été chaud sur les shields depuis le début, il en a trouvé beaucoup et il a gagné la plupart des main games. C'est... Mais donc ça, juste ce qui lui manque, c'est pas les main games, c'est juste qu'il a un petit peu de temps de jeu par rapport aux autres gens. Ouais. Mais sinon, en termes de main game, il est là. Ok. Ou et le dragon. Après les plus frames, bien sûr. Toujours. Voilà. Ok. Un peu de zoning. Tips qui va prouver de la pression. Décalage shop. Bien, c'est quelqu'un qui va quand même pas mal respecter en pression. Ouais, on a vu un DP, mais. Le hit, il est. Le hit, il est. Il piège. On a envie de se relever. Ouais, on a envie de se relever. Mais il faut rester. Tac, ok. 5 a plus trop de barres. Ah. Le James qui va toucher. Ah, c'est pas mal. Premier match pour Tips, c'était assez serré, mais. C'était assez serré, mais bon, bah, à la fin, il a pris des petites sessions. Il a déjà pu mettre des petits. Des petits chop spé en une fois. Ok, oh le décalage. Je pense qu'il s'est dit, il va chop, parce qu'il l'avait fait déjà deux fois, trois fois. Il s'est dit, il va chop, et bah non. C'est top. Ok, bonne bagarre. Ah, on a envie de se relever, hein. Moi je suis le premier à vouloir me relever. T'inquiète pas, je fais pareil. Ok, la hit est bonne. Sur un fou. Bah, après, c'est.
Donc Saber, fais attention en hits, mais pas trop chaud parce que bon. Ouais, sinon c'est un avalon. Ça peut vite arriver. Ouais. Bah c'est un peu comme un bullet en fait. Hein. Ouais, c'est tout le monde. Sauf que elle, elle est là, juste 3 barres. Ah, il y a une petite input donc c'est quand même un peu plus dur que juste. Mais ouais. Là où Thilo est bloqué. Ah. Mais la garde et le shield. Ah là là, le. Le 4C, la technique interdite. La technique interdite. Hein. Le knowledge check. Il est vraiment bon. Ce coup. Ouais, après, il y a une histoire de cancel. Oui, il y a une histoire de cancel, d'OS. Ouais, bon vide de la part de son homme. Hop, ok. Donc là, c'est assez jeune. Ah non, juste un petit peu. Ah, il a fait tomber un shield. Oui, sûrement. Ça varie un peu. Pas énormément de dégâts malgré tout. 3K. Le low qui ouvre et le décalage il est bon. Hop. Overhead, il va pas pouvoir confirmer. Il l'a fait trop tard. Son... Mais ça tue quand même. C'est un reset, c'est un reset. Parce que ouais, son. Il, aurait... il peut combo sur le... avec le MD, mais là il l'a fait encore. Ça, oui, ça il l'a fait encore. Je pense qu'il a. Ok, bon shield, bonne réaction de tips. Ouf, le double overhead. C'est pas mal ça de pouvoir double overhead sur un air dash. Ouais, c'est un privilège de top tier, je pense. Ah, tout le monde peut pas faire ça en tout cas. Clairement pas tout le monde. Ok, ah. Je pensais que. Ouais, mais je crois que ça pouvait trouver jumpsay pour punir là. Ouais, mais je crois que c'est peut-être que j'y sais chargé, non, qui touche un peu derrière. Peut-être. Je connais pas la Xbox du jumpsay pas chargé. Personne la connaît. Oh la dive avec les plus même. Ouh, oh. Bon shield et avec un décalage. Il y a décalé assez pour que le shield passe pas. Ouais, c'est. Ok, la bonne tech. Oh non, il meurt. Oh là là. C'est tellement con. C'est pas mal les shops fait comme ça. Oui, on peut le dire, broken. C'est broken. Ah, c'est. Quels qui dit les mots. C'est. Tout le monde n'a pas le droit à ça. Ah non, pas quand on a le droit à ça, clairement. ok, les petits projectiles. Oh, le bon air dash. Ok. Qu'est-ce que ça va faire comme Oki? Ah ouais, c'est ça. Lisette. C'est ça. C'est ce qu'il a tenté de faire tout à l'heure, mais qui n'est pas passé. Ben, il a fait tech avant, là, il a fait tech arrière. C'est bien, on a... Il y a un jeu de tech qui se développe un peu. Certains joueurs, ils développent un peu ça avec des resets sur les tech. Ouais. Saber, Akia aussi a pas mal de trucs sympas en tech. Ok. J'ai déjà vu ça aussi en vrai sur ciel. Ah oui. Où tu peux restand le mec entre guillemets quoi, si tech pas avant. Ok. Petite pression, un coup de bouton wifi, mais ça fait peur. Si t'appuies, tu prends. La dive, pour être plus. Nice hit sur le. Oh non, mais encore. Alors ça tuera pas, mais ça le laisse à une chope de mourir à peu près. Donc là c'est très très difficile de. Oh, il a essayé de bait le hit. Ok. Ah, la bonne défense de Rooksa qui reste calme. Le JC qui balaye l'écran. Et là normalement il va avoir ses 3 barres, il va pouvoir tuer. Ah, voilà. Qu'est-ce que ça tue? Et ça, ça tue. Ça tue. En fait, c'était sûr que ça tue avec les minimal de. Ouais, mais tout le monde n'a pas les mêmes HP donc. Ouais, parfois, ça peut après, jouer avec le, normalement avec le repère, à part contre Kuma, ça m'aide pas. Ok. Oh, petit combo, il aura pas de barre donc il va devoir faire un coup un peu sur là. Un petit lot, c'est stylé. La dive pour être plus. Il aime bien cette phase dive pour être plus. Ouais, bah en fait ça prend les baits, enfin, ça prend les mâches. Il a vu une hit qui est pas sortie là. Ok. Regarde. Patient. Au backdash. Ouais. Ah, ça, c'est un des vrais trucs forts de Dante, ça, sans mentir. Oh. De pouvoir full combo sur un JA soit counter hit ou pas. Ouais. Ok, dash up, pression un coup de stagger. Aïe. On veut tous se relever. Et en plus il y a le OTG qui tue quoi. C'est dur. Ah mais ce 2 hits il dure tellement longtemps, on veut se relever. Ah oui non mais c'est ça. On se dit que ça va être un mine ensuite. On veut couvrir l'air d'un match. Ok. Oh oui, beau 5K entière. En vrai là, arriver à passer dans le laser comme ça c'était très très propre. Les bons dégâts. Casting bar.
attaquer. Oui, ça c'est la spéciale Rooksin. Au bout du 12ème overhead, c'est passé. Rooksin qui te fait 40 overhead dans une pression. C'est un peu son mojo. Voilà. Ah, bien joué avec le jump cancel. Sur le cash. Ça c'est un nouveau truc hein. Ça ouais. Avec le. C'est quoi, c'est pas de août ou de décembre, je ne sais plus. Je sais plus la date mais. Ouh, la dive qui est trouvée, ce qui va permettre de un peu de nullier effet la X. En plus ça remet dans le coin, on a traversé tous les coins là. Ah c'est ça. Et 4K2. Oh non, la punish. Oh oui. Cigarette qui passe, ça ne l'a pas tué, je crois. Si c'est. Ah oui, c'est bien joué, c'est bien. Bien joué de la part de Rooksin. Si si, j'ai oublié qu'il pouvait récupérer après ça. Bien sûr, il peut récupérer. Donc et donc Rooksin contre qui là. Et solide. C'est genre. On sent que en défense, il est très patient et Chips, il se retrouve déjà à ouvrir avec pas mal de shops, ce qui laisse un peu d'ouverture pour Rooksin. Aïe. C'est. Parfois il s'impatiente un peu et il décale un peu trop quoi et Rooksin il trouve le bon match. Petite hit. Le confirme n'est pas passé. Oh la dive. Oh c'est de. Ok c'est un. Le drop mais pas puni ça. Oh bien joué. Bon match. Il a vu. Il a tout vu. Il voit tout cet homme. Chips, on parle bien de l'homme qui voit les ribbits. Donc c'est pas n'importe qui, on parle d'un grand homme. C'est ça. Je pense qu'il peut. Il y a une partie de son être qui est dans les six frames. Oui, oui. Il n'a jamais été actuellement dans la team, je pense que cet homme pourrait complètement faire partie des six frames. Bon press. Ok, bon press. Chips qui est patient. Rooksin qui continue à essayer de trouver une solution. Ah oui. Ah, le plus frame. Hein. Le bounce. Et ah, le reset. Reset, okay. Il n'est pas passé. Ok, de la force à hit, il y a la super. Et ça prend. Après, la Rooksin vient, donc ça veut dire que Chips a utilisé tout son metteur pour 3500 de dégâts. Un Oki, okay. Pas mal quand même. C'est pas mal, mais c'est 4 barres de c'est 3 barres de metteur dépensées. Yes. C'est un hit. Je sais pas s'il y avait tout ça dans le metteur. Et voilà, il a quasiment rien régénéré avec ce hit. Oui, c'est sûr. C'est. Oh. Ok. Oh là là. Aïe aïe aïe. C'est passé. Donc, Tips, il fait pas deux fois venir devant un film. Oh, ouais. Oh. Oh non. Oh, okay. Il n'y a pas eu des clash frames. C'était pas assez rapide pour toucher. Rooksin qui trouve une ouverture avec le jump C. Ah, oh, ça. Ouais, je pense qu'il a raté le shop. Ok, les overheads. Ouais. Bonne défense de Chips. Il a encore sa hit. Voilà. Oh oui, il esquive. Oh non, ça, c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est n'importe quoi, votre perso. Je suis désolé, Chips, mais c'est trop là. Le perso, c'est n'importe quoi. C'est broken, Dantes. Ah là, c'est beaucoup trop là. C'est. Ça. C'est broken. Il te fait du chop spé, on a toujours appris, il faut être en l'air. C'est ça. Mais t'es en l'air, mais ça suffit pas. Une chop spé, tu te dis, bon bah, je saute au-dessus. C'est ça. Et je finis, j'ai Airdash. Et bah non, t'atterris, tu te fais choper. Là, c'était l'erreur d'avoir Airdash. C'est ça, c'était l'erreur. Il fallait qu'il neutral jump pour pas atterrir à temps. Ah, c'est. C'est une.